des Borolans, un tissu traditionnel made in Mali. Le Mali est un pays riche en savoir et savoir-faire. S'il est connu pour ses bassins prisés par les Maliens et portés à l'occasion des grands événements, il n'en demeure pas moins que le pays de Sunuta Keita résonne aussi dans la confection des Borolans. Fabriqué à base de matières naturelles, surtout de la terre, d'où son nom Borolan en Bambara, qui signifie tissu en argile. Ce tissu est entièrement confectionné de façon artisanale. Borolan est né Borogé Finina, avec Djamundama. Abe fori ma ko bokolan yiri do ba nfe kungo kono ko ngalama o ngalama yibi to ko de tike kungo kono ko laja wa so ri takara bokoni ba kono nana don ni nana na ba galama in tobi wal mai ba susuka laja ka mugubo ka daji don ya tobi be fini trampe ala ko fo chien nani duru ni be sere wor on fe anu fin mugo ka fini don ta wore tekele donso be mundo obe konyogela obe mundo obe tontiku wulu be mundo obe demson were be mundo fana be don okele ne borolan koy. Si dans le passé le borolan était l'habit des grands rendez-vous, aujourd'hui force est de constater le tissu local a perdu beaucoup de place. Il est porté aujourd'hui que lors des manifestations culturelles ou par les cinéastes et autres amoureux des habits traditionnels. Alhamdoulillah, ça va. C'est très général, on a la culture d'eau, on a aussi la valoriser, c'est faux, Europe. On a aussi la valoriser, j'aime faire un peu ça. En malo, on va aller ça, on a la culture valoriser. Et même temps, nous, Bazen, il fait un an, c'est vrai, avec Bégain, mais au moins, ça me sert à un rêve, le temps. Il y a un fadamé, il y a un taille. Bon, il finit, il y a un boulot, coup d'eau. A vous qu'on a nué Borolando, il m'a civilisé, il m'a évolué. Alors qu'il a tenu, c'est le Borolando est fini mouillé. Toutefois, le Borolan gagne de plus en plus de place dans la population grâce à des politiques de mise en valeur qui mettent l'accent sur le consommer local.